On a considéré au niveau national que cette offre d'unité de vie et donc de logements partagés et même de chambres partagées ne correspondait plus aux normes actuelles en matière de qualité de vie. Et donc, on a décidé au niveau national, dans le cadre d'un plan quinquennal qui a été reconduit à de multiples reprises, de transformer ces foyers de travailleurs migrants en résidence sociale et donc de transformer ces unités de vie en logements autonomes avec chacun une chambre, une kitchenette et une partie sanitaire, salle de bain. Travaux lourds, puisque ici nous sommes sur une réhabilitation en partenariat, bien évidemment, avec le bailleur Bar Habitat, sur un montant de travaux qui frôle les 2 millions d'euros. Il y a des gens qui vivent ici, tout simplement. C'est-à-dire que moi, quand je démarre une opération comme celle-ci, ce qui me plaît, c'est qu'il y a, on travaille pas simplement avec de l'inerte au sens de l'immeuble, mais on a des habitants. On était deux, ça, dans la chambre. Alors ça passe mal, deux, hein, c'est pas bon. Et maintenant, on est bien, chacun sa chambre. On reste ensemble. Chaque fois, on monte là, chaque fois haut. Avec le copain, on part jusqu'à 10h, 11h. C'est effectivement une réponse très pertinente pour le territoire et pour les jeunes qu'on accompagne. L'objectif, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la stratégie de cette réhabilitation, c'est d'apporter un mieux vivre à nos vieux migrants et à nos migrants qui ont travaillé ici en France, qui ont donné pour la France et qui étaient logés dans des conditions pas tout à fait optimales.